notre école. Donc je compte sur vous pour bien l'accueillir. D'accord ? On va continuer votre travail. Vas-y, tu peux t'installer là à côté de Marie. Je vais aller chercher les fichiers. Oh, regarde-le, il est fin comme un spaghetti. Et en plus, tu dis parce qu'elle t'aura pas la force pour attraper le ballon qui est trop fin. Arrête de m'embêter. Qu'est-ce que tu me dis, mon chant là ? Sûrement pas des baskets moches. Hein. Peut-être de l'argent. On arrêtera, mes copines et moi. Mais arrête un peu de m'embêter. Bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous êtes bien long. Dépêchez-vous de sortir des vestiaires. Léo, pourquoi tu n'es pas prêt ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, madame. Oh, regardez le spaghetti avec son sac violet. Il n'est même pas stylé, non, il a des sacs noirs. En plus, il est moche avec ses lunettes. Ouais. Attendez, on va voler. Regardez-moi, c'est quoi une nulle. Allez, on s'en va. Est-ce que je peux jouer avec vous ? Non, on aurait bien voulu, mais là on est déjà au complet. Peut-être une autre fois. Toi, t'as eu combien ? C'est pas. Est-ce que je peux discuter avec vous ? Non, c'est entre filles. Désolée. On aurait bien voulu, mais là, ce n'est pas possible. Personne ne veut de moi. Hé, hey, Spaghetti, on n'a pas fait nos devoirs. Donne-lui ta fiche sur l'imparfait. Pourquoi ? Parce qu'on te le dit. Ok. Hé, hey, parle-lui de ça. D'accord. Tenez. Et demain, tu nous donneras 10 euros chacun. Très bien, dégage. Maintenant, et ne le dis pas, ou sinon... Maintenant, j'ai plus de devoirs, dégage. Bonjour. Hé, alors, dis-le de tes lunettes. Quoi, ça vous servira rien. Pour faire un truc cool. C'est quoi ? Donne, tu verras. Mais enfin, je ne peux plus rien voir. Rouille-moi ! Trop tard ! Attention, quelqu'un arrive. On dirait la bouclée. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout, on discutait avec Léo. Pas vrai ? Mais il y a beaucoup de bruit ici. Que se passe-t-il ? Rien. Madame, Léo,
dessine. Comment ça, Léo dessine? Mais non, c'est Gaspard qui m'a jeté un dessin. Montre-moi ce papier. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai rien fait. Ce n'est pas vrai, madame. Gaspard embête Léo avec Marie et Clotilde. Pas vrai, Léo? Oui. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous a pris tous les trois? On va aller dans le bureau de la directrice et bientôt la récréation. Avec Léo, hein? Tu nous expliqueras, Léo. Marie, Clotilde et Gaspard ont été punis par la directrice et la maîtresse. Leurs parents ont été convoqués. Ils ont été renvoyés plusieurs jours et ont dû faire un exposé sur le harcèlement. Ils ne m'ont plus jamais embêté. Mes parents ont été prévenus. Ils voyaient bien que j'étais malheureux, que je ne mangeais pas beaucoup. Mais ils étaient loin de se douter que j'étais harcelée. Tout s'est plutôt bien terminé pour moi. J'ai plusieurs amis dans la classe et tout se passe bien. Je n'ai pas su réagir pour que tout cela s'arrête. Et pourtant, il y a des solutions contre le harcèlement. Je vais vous montrer ça. Un problème, Léo? L'élève qui est là-bas, moi je prends son papier, regardez. C'est ce que tu appelles bien accueillir Léo, Gaspard? Mais c'est pas méchant, c'est de l'humour. C'est parce qu'il est tout fin. Vous viendrez me voir tous les trois à la récréation. Léo, va te mettre plutôt à côté de Raphaël. Elle va pouvoir t'aider en cas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Personne ne veut jouer avec moi et que je t'ai dit que je suis un spaghetti. Viens jouer avec nous. Et si Clotilde recommence, il y aura pas de la vie. Merci. C'est normal. Ce n'est pas facile d'arriver dans une nouvelle école. Ça peut être amusant. D'accord. Bonjour. Eh, l'art de l'eau, t'es muette. C'est quoi ça? Ça ne sert à rien. Rien. C'est quoi? Donne, tu verras. Non, ça suffit. Vous allez me laisser tranquille. Eh, hey, calme-toi. Non, je me calmerai pas et maintenant vous avez intérêt à plus m'approcher. Ok.